L'idée de ce livre est partie d'un constat partagé entre plusieurs géographes que la géographie est une discipline formidable pour comprendre le monde dans lequel on vit au quotidien, que ce soit dans notre vie d'urbain, que ce soit dans des échelles plus larges, et que malgré tout ça, c'est pas une discipline qui attire les foules, ni à l'université, ni qui laisse un souvenir impérissable aux lycéens qui sortent du lycée. Donc on s'est dit, comment faire aimer la géographie ? Et on a eu l'envie, avec Jean-Robert Pitt, d'organiser un colloque autour de cette question à la fois basique et un peu provocante, de se demander à quoi sert la géographie. L'idée étant d'éviter de répondre à rien et de démontrer que la géographie sert à plein de choses. Et on devait, au printemps dernier, organiser un colloque qui réunirait des géographes académiques, mais aussi des gens qui ont fait des études de géographie et puis qui se sont dirigés vers des milieux professionnels divers et variés, des écrivains qui parlent de géographie sans le savoir ou en le sachant. Et puis voilà, pandémie covidienne oblige, ce colloque n'a pas eu lieu. Il est reporté au printemps prochain, en avril 2022. Et on s'est dit que dans l'intervalle, on allait, puisqu'on avait tous travaillé, réfléchi, on allait sortir d'abord le livre pour donner envie aux grands et aux moins grands de venir à ce colloque, donc, qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril 2022. Alors c'est une vraie question qui nous tiraille, nous géographes, qui effectivement rend peut-être l'identité de la géographie un peu complexe à appréhender, parce que parfois les gens considèrent que la géographie c'est les fleuves, les montagnes et les départements et les numéros de départements, alors que comme tu l'as bien exposé, la géographie ça rassemble en fait toutes les facettes d'une vie finalement d'un être humain sur Terre. Donc il y a une dimension environnementale, il y a une dimension économique, il y a une dimension urbaine, architecturale, urbanistique, une dimension démographique, une dimension culturelle avec tous nos imaginaires, nos représentations de société où que nous soyons sur la planète. Et tout ça, ça fait la richesse et le foisonnement merveilleux de la géographie. Et à mon sens, et je pense qu'on est plusieurs à partager de ce point de vue, ça devient une faiblesse quand on cherche à mettre des frontières étanches entre, et des identités parfaitement bornées sur ce qu'est ou ce que ne serait pas la géographie, et d'essayer de coller des étiquettes qui auraient l'avantage d'être lisibles, mais qui réduiraient la géographie à quelque chose beaucoup plus pauvre que ce qu'elle n'est au fond d'elle-même, puisque donc la géographie c'est vraiment une entrée dans le foisonnement de la vie, et la vie c'est complexe, la vie c'est multiple, c'est disparate, c'est parfois contradictoire, et donc c'est à la fois une force mais dont on a à prendre soin si on veut pas que ça devienne une faiblesse. Alors c'est ça qui est formidable, il me semble, dans la géographie, hein, c'est que c'est une entrée dans les études supérieures qui ne mène pas de manière automatique et univoque vers le métier d'enseignant ou d'enseignant-chercheur, même si évidemment il y a ce débouché-là qui a toute sa valeur et un grand intérêt. Mais on retrouve aussi dans différents champs professionnels un certain nombre de milieux, de secteurs professionnels où on va retrouver des gens qui se sont formés en géographie et qui ensuite, par exemple comme Jérôme Fourquet travaille aujourd'hui dans un institut de sondage, comme Delphine Papin qui intervient aussi dans le colloque et dans ce livre, est aujourd'hui responsable du service infographie, cartographie au journal Le Monde, et puis des gens qui, dans des bureaux d'études, dans des collectivités, dans un certain nombre d'associations ou d'entreprises, occupent des postes dans lesquels la dimension spatiale est importante ou va avoir une place, et ce regard de géographe va être
une grande richesse, un grand plus dans leurs compétences professionnelles. Et c'est aussi ce qu'on voulait montrer, c'était que, à travers ce livre et ce colloque, c'était de dire que développer un œil de géographe, ça peut conduire à des métiers très variés. Et j'aurais envie de dire que beaucoup de métiers gagneraient à embaucher des géographes pour éviter parfois des aberrations dans différents secteurs qu'on peut voir. On se dit, mais finalement, si on avait un peu pris le temps de regarder l'espace, de regarder comment les hommes vivent dans cet espace, comment ils s'organisent, eh bien, on aboutirait à des décisions techniques ou politiques un peu plus pertinentes pour la vie ensuite des gens qui habitent ce territoire. Alors c'est vrai que peut-être ce qui pèse dans la popularité de la géographie, c'est que finalement la géographie au collège et au lycée est mariée avec l'histoire. Et que dans ce couple, la parité n'est pas parfaite et que l'enseignement de la géographie est souvent fait par des gens qui sont davantage historiens que géographes. Alors, ça n'empêche pas que ça puisse donner des enseignements de géographie intéressants, mais quand même, on sent bien que c'est un peu, voilà, le parent pauvre, qu'il y a un petit déséquilibre qui fait que la géographie, c'est, voilà, parfois un peu mis de côté, où il n'y a pas cette vitalité qu'on aimerait y trouver. Et dans les initiatives qui, me semble-t-il, peuvent faire aimer la géographie, c'est tout ce qui permet de faire contacter le terrain aux étudiants ou aux élèves, et on peut faire ça du primaire jusqu'à l'université, dire sortir de la salle de classe, aller voir en géographe le monde autour de nous, observer rien que sur un îlot dans une ville, rien que à l'échelle de son village dans une petite commune rurale, comment les hommes ont habité et habitent cet espace, ça permet de donner une dimension tout de suite très concrète à la géographie. Ça permet de faire appel à nos cinq sens, qui est la bannière sous laquelle la Société de géographie va fêter son bicentenaire le 15 décembre. Et ça permet vraiment de réinvestir notre approche du territoire et de l'espace à travers cette dimension sensorielle qui est tout aussi importante que la dimension intellectuelle, que la dimension technique avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, mais qui permet vraiment un contact très concret avec cette discipline. Donc à l'occasion du bicentenaire de la Société de géographie, qui fête ses 200 ans le 15 décembre 2021, on a effectivement formulé un certain nombre de propositions pour expliquer à quoi pouvait servir la géographie et surtout faire aimer cette discipline. Et parmi ces propositions, il y a des choses toutes simples finalement à mettre en œuvre, qui sont déjà pour partie présentes dans un certain nombre d'établissements. Mais ça serait vraiment de systématiser un voyage scolaire sur le terrain à chaque année de sa scolarité. Et je pense que pour ceux et celles qui ont pu vivre ça, c'est des souvenirs qui marquent. C'est en dehors des bons moments passés avec ses copains. Il y a vraiment la découverte de territoires qui ne sont pas forcément à l'autre bout du monde, hein, qui peuvent être pour des urbains, des espaces ruraux, qu'on connaît finalement mal, des espaces de montagne pour ceux qui habitent plutôt dans des espaces de grandes plaines. Enfin, voilà, une sortie sur le terrain dans un milieu à observer, à analyser, à découvrir pendant une semaine. On suggère aussi de développer une formation continue pour les enseignants d'histoire-géographie via des sorties, via un certain nombre de colloques, de séminaires, de formations, puisque la géographie est une discipline vivante qui a besoin de s'alimenter, de se nourrir de toutes les avancées qui peuvent se produire chaque année.
Et puis, on suggère aussi d'instaurer une journée nationale de la géographie, voire internationale, avec un portage par l'UNESCO, pour donner, faire prendre conscience, encore une fois, de l'importance de la géographie pour lire, comprendre et finalement vivre de manière souhaitable et durable, on va dire, dans notre environnement d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Eh bien, peut-être à ça finalement, à vivre en paix, à vivre en harmonie les uns avec les autres, avec notre environnement. Hein. On a souvent un peu repris la formule d'Yves Lacoste de dire la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, avec une référence à cette utilisation dans la cartographie militaire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la géographie ça sert peut-être d'abord à faire la paix. Ça sert à connaître l'autre, à connaître l'ailleurs, qui, encore une fois, ne se mesure pas forcément à une distance kilométrique. Et puis, justement, en comprenant ce qui nous relie les uns les autres et ce qui nous relie à notre environnement, arriver à vivre davantage en paix et en harmonie avec notre environnement humain et non humain.